Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, petit aparté avant cette vidéo, je voulais juste dire que pour aujourd'hui, bah, c'est les vacances qui commencent pour ceux qui, dans le collège René Cassin, ont été en cours jusqu'au bout. Donc, bonnes vacances à vous tous et voilà. Du coup, bah, je voulais juste remercier ma classe, les 5A. En fait, vous êtes trop les best, en fait. J'ai vécu une année de ouf, vraiment, c'était trop bien. Genre, rien à dire. Et aussi, mes amis, qui sont mes amis, ou mes meilleurs amis, qui sont pas forcément dans ma classe, que j'ai connus, que je reste beaucoup avec eux, que j'adore aussi, bah, je vous remercie. En fait, vous m'avez fait vivre une année de ouf, tout simplement. Je retiendrai toujours cette année. Voilà, la cinquième, c'est vraiment la meilleure année du monde. Enfin, pour moi, ça a été la meilleure année du monde. Et voilà. Du coup, la petite aparté est faite. En tout cas, dans cette vidéo, en général, je vais faire ma trousse de toilette parce que cet été, je pars en vacances avec mes cousines et... enfin, mes cousines. Mes cousines de cœur, mais bon, enfin, bref. Voilà, même mes sœurs, on va dire. Et mes autres cousines. Genre, c'est mes cousines. Je sais pas. Et Colin Alix. Et en fait, bah, du coup, je vais faire ma petite trousse de toilette. Du coup, go, c'est parti. Voilà, donc je sais pas si cet éclairage, on va dire, est mieux. Mais voilà. On s'habitue. Du coup, ma trousse de toilette, en fait, elle est déjà faite. Sauf que je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Tout simplement. Du coup, c'est parti en fait. C'est tipar. Donc, ma trousse de toilette, au premier abord, elle se présente comme ça. Donc, une trousse basique de Paris Axe. De base, c'était la trousse de toilette de mon père. Et du coup, je l'ai pris parce qu'elle me plaisait bien et que le système de rangement à l'intérieur, il est super cool, vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. Donc quand tu ouvres ma trousse de toilette tout autour comme ça, elle s'ouvre comme ça. Et là, il y a un petit crochet. Et ça se présente comme ça, tout simplement. Il y a déjà les trucs dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et du coup, tu peux l'accrocher à un radiateur, quelque part. Enfin, c'est super pratique. Du coup, bah go montrer ce qu'il y a dans les pochettes là. Que je sais pas encore. J'ai peut-être rajouté des trucs au fur et à mesure, mais non. Donc les pochettes, elles s'ouvrent basique. J'ai mis un mascara noir de chez Nocibé. Mascara noir avec un rouge à lèvres Nocibé aussi, pareil. Merde. L'écriture est à l'envers, mais bon. Nocibé. Avec un démaquillant pour la peau. Enfin, c'est une crème, mais ça démaquille. Genre. Ça, c'est tout mon petit maquillage, là, tout mon petit matos. Et avec, bien sûr, pour démaquiller ma peau, une petite. Un petit truc pour démaquiller la peau, en fait. Je sais pas comment vous le dire, mais. Ça, voilà. L'autre pochette, je crois, j'ai rien mis. On va voir ça. Alors, j'avais pas prévu, mais j'ai mis ça, en fait, de. Vous savez, ça a des colliers là, comme ça. Collier là, qui colle grave à la peau. Je trouve ça trop beau. Bah, du coup, j'avais mis ça. Plutôt cool. Je sais pas pourquoi j'ai pris une voix comme ça, ne me demandez pas. Ensuite, on passe à ça. Donc, ce qu'il y a devant et à l'intérieur. Donc, la deuxième pochette. Une, deux, trois, on va dire. Deuxième. Dans la deuxième. Putain de sa mère. Dans la deuxième pochette, j'ai mis une pince à épiler que je trouve juste trop belle avec des étoiles. Genre, trop beau. Bah, une pince à épiler basique en fait. Hein, Vous savez ce que c'est une pince à épiler? Je vais pas vous faire un dessin. Enfin bon. Une pince à épiler. Une brosse à dents que j'ai encore jamais utilisée en bambou. De Birchbox. C'est des
des box que je reçois de beauté, sauf que j'ai arrêté l'abonnement parce que ça donnait toujours le même truc. Donc ils m'ont donné une brosse à dents que j'ai jamais utilisée, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser un jour en fait. Du coup bah ce jour est arrivé. Ensuite là je vais pas les enlever, mais bah si je peux en enlever une. Des pinces comme ça là, des... Je sais plus comment ça s'appelle. Bah des pinces, vous voyez des pinces là, enfin bref. Des pinces, moi j'appelle ça des pinces, mais bon. Des faux ongles, bah les faux ongles que j'ai là en fait. Voilà. Avec la colle à faux ongles qui est là. On va la mettre dedans aussi. Du coup, ça c'était devant. La pince à épiler, elle arrête pas de tomber, ça me saoule. Tu vas arrêter de tomber, je te le dis vite fait, bien fait. Hein. Maintenant, on passe à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous voyez, ça brille. Normal, j'ai mis un truc. J'ai mis. Oh, il y a des messages là. J'ai mis des fausses boucles d'oreilles que je vais mettre. Parce que bah, je trouve ça trop kiki en fait. Donc, il y a des trucs, des losanges comme ça, des fleurs. Et après, c'est tout des points. Et il y a trois couleurs différentes. Là-dedans, parce qu'en fait, j'ai deux trous. Là-dedans, c'est plein de. Oui, c'est. C'est réversible. Ouais, bon, bref, on va pas passer une éternité là-dessus. C'est plein de bracelets. De bracelets, de machin. Bon, là, vous allez pas voir, mais. Des pansements aussi. Et plein de bracelets. Voilà. Même si je vais mettre ceux-là. Ceux-là, je vais les prendre. Celui-là aussi. Et ça aussi. Je vais le prendre. Enfin, bref. Ça, ensuite j'ai ça si je veux me maquiller ou même je sais pas si je veux me maquiller ou alors pour une autre occasion, même si je pense pas d'autres occasions, mais un bandeau là pour pas que les cheveux soient dans les yeux, enfin voilà. Et maintenant on passe à la pochette, parce que pardon il y avait du bruit. La plus importante, la pochette du bas qui contient le plus de trucs, c'est la merde dans cette pochette en fait. Ça y est, j'ai ouvert la pochette, donc j'ai pris plein de trucs essentiels. Ça, c'est un recourbe-cils. Pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est un recourbe-cils, les filles. En tout cas, les gars, je pense aussi, vous savez, mais. Et j'ai vu un TikTok, genre la meuf, elle fait ça, et genre on la pousse, et tous ses cils y sont partis. Ça m'a fait trop peur, mais je prends quand même le risque de prendre un recourbe-cils. Voilà. Merde. Un truc, un pinceau à blush. Je sais pas comment on dit. Je suis pas une youtubeuse beauté, mais ça se voit quand je fais ça. Je suis pas appliquée du tout, genre. Avec déjà du blush dessus, genre c'est le blush que je mets de base. Voilà, pas de problème. Un chouchou. D'ailleurs, que je vais mettre autour de ma brosse. Oh, il y a du. Non! J'avais mis. Ça, tu vois. Ça, là. Je l'avais mis à côté de ma brosse. Et genre, sur ma brosse, il y a du truc rose. Il y a du blush. Oh non, non, non. Vas-y, ça casse les couilles. En fait, tout le blush que j'avais mis, que j'avais préparé, eh ben, il est parti sur la brosse. Je suis trop dégoûtée. Donc une brosse basique, une brosse à cheveux avec des chouchous que j'ai déjà préparé. C'est bon. Avec un parfum. Oui, c'est un parfum. Un parfum en forme de lèvres. Je vais le poser là. Ça aussi parce que je l'ai déjà fait. Un labello. Un labello, donc le basique, qui sent l'amande, qui sent la colle Cléopâtre. Une pince, parce que j'aime bien faire une coiffure, genre je fais une queue de cheval et je mets la pince en dessous et genre ça fait une queue de cheval à remonter. Donc une pince comme ça, basico basique. Mais qu'est-ce que j'ai sorti moi? Un coupe-ongles, on sait jamais. Un coupe-ongles pour faire mes faux ongles, par exemple, couper mes faux ongles, tu vois. Comme ça et je coupe une lime à ongles, j'ai pris lime à ongles basique pour limer mes faux ongles,
une petite pince. Je me suis dit, peut-être je vais en avoir besoin. Alors que pas du tout, parce que je vais laisser mes cheveux comme ça en fait. Ou alors je vais faire une queue, mais je vais jamais avoir. Et voilà. Si vous savez pas ce que c'est normal. Bon, il y en a qui vont savoir ce que c'est, les filles, hein. Donc ça, j'ai pris aussi. Donc voilà. Je pense que je vais rajouter quelques trucs. Après, il y aura ma valise. Là, c'est ma trousse de toilette, genre. Après, si j'ai le temps. Non, je pense que je vais faire en plusieurs vidéos. Il y aura ma valise, genre. Ma valise. Ma valise, après, il y a quoi aussi? Je sais pas, en fait. Parce que j'ai tellement mis de trucs. Dans ma trousse de toilette déjà. Après, il y aura mon dentifrice aussi que je mets dans ma trousse de toilette. Que j'ai acheté tout à l'heure d'ailleurs. Par contre, je sais pas où mettre ma trousse de toilette. Elle est grave remplie là. Bref, du coup, c'était ma trousse de toilette. Du coup, je vais vous montrer quand elle est accrochée ce que ça fait. Attendez. Ça, c'est ma porte de chambre. Vous voyez, je vous ai fait le room tour. Vous pouvez l'accrocher comme ça à une porte, genre à la porte de la salle de bain. Comme ça. Bon, mon lit n'est pas fait derrière, hein. Comme ça. Comme ça. Ou alors comme ça. Un radiateur comme ça. Comme ici. Et après, bah, en fait, vous pouvez l'accrocher partout. C'est vraiment bien. Ah! J'ai galéré à le retirer. C'est la merde, là, vraiment. Je sais pas ce que je vais faire, mais bon. Me demandez pas ce que je vais faire, je ne sais pas. Oh, un bonbon! Oh, un pissenlit. C'est sûrement le dernier de la saison. Voilà. C'était mon bonbon. C'était mon bonbon de fin de vidéo. Après, pour partir, je vais mettre ça. Attendez. Pas ce que j'ai sur moi, mais... Je vais mettre ça. Genre en haut. Hyper basique, genre. Putain. Je sais pas où vous mettre. Un haut hyper basique, genre. Avec un pantalon rouge comme ça. Et une veste par-dessus. Je trouve que ça pouvait faire grave stylé. Comme ça, genre. Comme ça et comme ça. Voilà, attendez, je vous montre. Où est-ce que je peux vous poser? Ça aide pas. Voilà. Donc je vais mettre ça en partant. Parce que voilà. Parce que genre quand il va faire chaud, je vais enlever ma veste. Mais au début, vu que je vais partir grave tôt le matin. Bien sûr, il y aura des vidéos en vacances. Hein. Mais vu que je vais partir grave tôt le matin, bah faut mettre une veste, tu vois. Pour pas que j'y ai trop chaud ni trop froid. Avec une tenue assez chaude. Non, assez froide. Assez froide. Parce qu'il va faire chaud, justement. Et du coup, bah voilà. Tout simplement. Hein. En vrai. Puis je ferai une autre vidéo pour ma valise. Il y aura peut-être pas de vidéo quand je partirai. Ou alors je ferai mon intro. Vraiment avant de partir, mais à 5h du mat, je peux pas faire une intro. Parce que j'ai pas envie de faire d'intro devant mon père, c'est gênant. Genre, je fais hey tout le monde devant mon père. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Pour recevoir une notif dès que je sors une vidéo. C'était Roman. Bisous.